Bonjour à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière et du site Internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. La messe est offerte par Madame Jacinthe Roy pour le repos de l'âme de Monsieur Lionel Lévesque. Par le baptême, Dieu nous a revêtus du Christ. Avec confiance, demandons-lui miséricorde. Seigneur Jésus, qui reconnais en nous les fils et les filles du Père, prends pitié de nous. Ô Christ, qui veut nous conduire là où il n'y a ni larmes ni souffrances, prends pitié de nous. Seigneur, qui veux faire de nous des créatures nouvelles, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements, fais que ton Église progresse par ses biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur. Oui, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se rappellera plus le passé et ne reviendra plus à l'esprit. Exultez sans fin, réjouissez-vous de ce que je vais créer, car je crée une Jérusalem de joie, un peuple d'allégresse. Je trouverai mon allégresse en Jérusalem, ma joie en mon peuple. On n'y entendra plus de cris ni de pleurs. On n'y verra plus de nouveau-nés emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent pas au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Mourir avant 100 ans sera une malédiction. On bâtira des maisons et on y restera. On plantera des vignes et on pourra en manger les fruits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, partit pour la Galilée. Lui-même avait attesté qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Vous ne pourrez donc pas croire, à moins d'avoir vu des signes et des prodiges. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut avec tous les gens de sa maison. Tel est le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, nous venons de le voir, Jésus revient en Galilée sans trop se faire d'illusions sur l'accueil qu'il recevra. Pourtant, les Galiléens semblent heureux du retour de leurs compatriotes qu'ils ont vu accomplir des signes et prodiges à Jérusalem. Sans doute espèrent-ils qu'il en fera autant sur sa terre, attirant ainsi les foules pour le plus grand bien de l'économie locale. Ainsi donc, Jésus arrive à Cana. Un fonctionnaire royal l'y attend pour lui demander de descendre à Capharnaüm où son fils se meurt. La première réponse de Jésus résonne comme un refus,
tout comme les hommes de Galilée, ce fonctionnaire ne semble voir en lui qu'un faiseur de prodiges. La plainte de Jésus est cependant exprimée sous forme interrogative. Aussi, le Père éploré insiste-t-il afin de convaincre Jésus de venir au chevet de son enfant. La réponse de Jésus a de quoi surprendre. Il donne congé à cet homme, lui annonçant que son fils est vivant. Il s'agit pour lui d'une véritable épreuve. Il attendait de Jésus une intervention semblable à celle des thaumaturges de l'époque, qui prononçaient sur le patient des incantations accompagnées de gestes rituels. Et voilà que Jésus se contente d'annoncer tout simplement la guérison sans se rendre auprès du malade. Sans doute, l'homme a-t-il dû marquer un temps d'arrêt le front soucieux, mais puisant sa force dans le regard de tendresse du Seigneur, il crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. On imagine l'attention de ce père sur la route en voyant au loin ses serviteurs venir à sa rencontre, puis sa joie en apprenant la guérison. Il s'enquiert de l'heure où son fils fut délivré de sa fièvre. Il n'y avait pas de doute, c'est bien au moment où le Seigneur Jésus avait prononcé cette parole « Ton fils est vivant ». Il n'en faut pas davantage pour qu'il comprenne que ce rabbi est infiniment plus qu'un thaumaturge. Dieu seul peut agir ainsi par la seule autorité de sa parole. Par la foi, la guérison du Fils conduit au salut le Père et toute sa maison. C'est parce que cet homme, probablement païen, a cru à la parole que Jésus lui avait dite, que la grâce de Dieu a pu faire son œuvre, non seulement dans son enfant, mais aussi en lui et dans toute sa famille. Tant qu'il y aura de la foi, notre monde ne sera pas perdu. Croyons-le vraiment. Bien au contraire, il sera une terre qui se rajeunit sans cesse. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. De l'offrande qui t'est consacrée, Seigneur, nous attendons des fruits de salut. Débarrasse-nous de tout ce qui doit mourir. Renouvelle-nous constamment de ta propre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour le salut apporté par Jésus-Christ, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec le Christ, osons demander au Père de nous recréer dans son amour en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Parole du Seigneur, je mettrai en vous mon esprit. Alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, répare nos forces et nous fasse revivre, qu'elle nous sanctifie et nous conduise aux biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ. Amen.